Ouais, j'aime pas. Les gars, je crée un jeu. Non, vous faites quoi ce week-end? Moi, je suis allée au ciné avec Anaïs. C'était trop bien. Vous allez voir quoi? Un truc de fille. Tu peux pas comprendre. Et Star Wars, tu l'as vu? Ah, moi, je l'ai vu, c'est pas. Moi, je vais bientôt le voir. Moi, j'aime pas. J'ai vu les 6 et après, j'ai. Moi, je regarderai juste. Moi, je veux de ton chat, ton grand-père. T'as de la nourriture, tout ça. Sérieux. All right, it's about time to write the lesson. So, open your copy books, please. Lesson part. And we write the date. Qu'est-ce qu'il y a, sale geek? The title. Quoi, c'est pas moi? What have we done today? Ça va, on rigole, on est potes, non? Hey, come on, be quiet! Attends, j'ai eu un caillou. Oui, j'ai très fort. Mais laissez-moi. Vous avez révisé le contrôle de physique? Oui, un peu hier soir. Moi, j'ai révisé jusqu'à 22h. Je te crois pas. Si? Le devoir de maths, comment il était chaud? Ah ouais, mais tellement. J'ai eu du mal. Moi, je cherche sur internet. Quoi? Rien, enfin. Tu voulais me dire un truc? Je pensais qu'on pourrait. Anaïs, tu viens? Ouais. Hey, t'as fait tes deux de sport? Non, pas de problème. Ah, tu vas rester sur le banc. Et puis, je vois encore 20 minutes. Bon, va falloir quitter le collège. Mais on peut pas faire ça. Parce qu'on a le choix. C'est plus notre ressort. Tiens, regarde, le dernier mail. Pas un mot, compris? Mais c'est une blague. Bah, tu crois qu'ils sont du genre à plaisanter? Allez, on n'a plus qu'une petite demi-heure pour foutre le camp. Bon, de monsieur le président au principal du collège, objet virus. Cher monsieur Durand, vous êtes le principal d'un collège
qui a subi une anomalie lors de la vaccination annuelle. En effet, le vaccin a dégénéré par accident. Ce virus provoque au bout de 3 jours la métamorphose de l'individu en un être dangereux et agressif. Sachant que ce virus est très contagieux, il faut régler l'affaire au plus vite. En conséquence, nous allons vous envoyer une armée de décontamination qui rasera votre collège. Nous sommes dans le regret de devoir mettre tous les élèves en quarantaine. Ils mourront suite à la contamination. Les services sanitaires n'en sont pas encore informés. Veuillez garder le silence. En danger, ils veulent nous tuer. Mais de quoi tu parles? Arrête! On a été contaminés par le vaccin. Enfin, pas juste toi et moi, tous les élèves et les autorités veulent nous supprimer. Mais si tu voulais venir me parler, c'était pas la peine d'inventer un délire comme ça. Sur ton bras, regarde, on a tous la même trace. T'as qu'à regarder. Tu vois une trace là? Bon, allez, salut. Nice. N'y va pas. Mais t'as bien entendu ce qu'ils ont dit? C'est un piège, je te dis. Tu crois vraiment que l'armée viendrait ici pour tuer des enfants? J'ai une preuve, je peux... Mais toi, et en paix. C'est une histoire de malade, mec, je sais, mais... Alors, apparemment, d'après lui, le gouvernement veut nous tuer parce qu'on a été infecté par le vaccin d'hier. J'ai une preuve. Bah tiens, montre-lui, toi. Mais... Vous demandez ce que c'était avec les autres hier. Tu commences à me croire, là? Mais c'est impossible. Je peux te montrer le mail, si tu veux. Bon, allez, viens, on n'a pas le temps. Et vous, là, arrêtez-vous, revenez! Ah! Putain, ça tire! Tout ça pour un simple vaccin. Il faut les aider. Mais tu veux faire comment? Je sais pas, mais... Oui, la salle ici. Vas-y. Vas-y. Vas-y.